Audrey l'a mis en tournage avec sa sœur Alexandra et Chloé Jouanet. La petite sœur d'Alexandra l'a mis fait du teasing. Audrey Lamy vient de débuter le tournage de son nouveau film, Rebelle. Quelques heures après avoir assisté à une représentation exceptionnelle des monologues du vagin avec sa nièce Chloé Jouanet sur scène, elle a posté une photo via Instagram de ses partenaires de jeu dans Rebelle. Deux femmes apparaissent à ses côtés, et tout porte à croire qu'il s'agit d'Alexandra Lamy et de sa fille Chloé. Il faut dire que les trois avaient pour projet à court terme de jouer un jour ensemble. C'est ce que promettait récemment Alexandra, qui est à l'affiche de Tout le monde debout. Actuellement, je commence l'écriture d'un film pour ma sœur, ma fille et moi. Nous sommes toutes les trois à des âges intéressants, confia-t-elle à Version Femina dans le numéro publié dimanche 11 mars. Mes nouvelles partenaires de jeu. Devinez qui elles sont, s'amuse de son côté Audrey Lamy. En commentaire, tout le monde joue le jeu et les propositions vont bon train. On parle d'Alice Paul, Camille Cotin, mais aussi et surtout d'Alexandra Lamy et de Chloé Jouanet. La réponse? Aucune d'entre elles. Rebelle est un film réalisé par Alain Mauduit, vilaine, dans lequel Audrey Lamy va donner la réplique à Cécile de France et Yolande Moreau. Le long métrage, une comédie décalée sur fond de thriller, sera centré sur Sandra, une jeune femme contrainte de quitter le sud de la France pour fuir un mari violent. Sans attache, elle retourne à Boulogne-sur-Mer, la ville de son enfance dont elle est partie près de 15 ans auparavant. Elle y retrouve sa mère et un monde qu'elle avait laissé derrière elle. Sans argent, elle se fait embaucher dans une conserverie de poissons où elle se lie d'amitié avec deux ouvrières. Mais un jour, l'un de ses collègues l'aborde avec insistance, elle se défend et le tue accidentellement.